Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Un accident de la circulation est survenu vers 5h45 ce mardi matin 30 avril. Un grumier de 53 pieds s'est renversé sur la route 228 à Montmagny. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur, qui a été blessé, a été transporté dans un centre hospitalier mais on ne craindrait pas pour sa vie. Les policiers, pompiers et ambulanciers ont dû intervenir rapidement pour venir en aide au chauffeur du camion. Le 29 avril 2019, la maison d'Hélène accueillait sa première personne en fin de vie, une dame de Montmagny, Madame Nicole Fournier. 5 ans plus tard, jour pour jour en ce lundi 29 avril 2024, ce centre de soins palliatifs pour personnes en fin de vie situé à Montmagny, fêtait sobrement son 5e anniversaire. Entourée des membres de son conseil d'administration et de sa directrice générale, la présidente fondatrice Madame Hélène Caron, souhaitait partager cet anniversaire avec les communautés des 28 municipalités desservies des MRC de Lillet et Montmagny. Écoutons Hélène Caron. Et les commentaires sont? Sont excellents. Sérieusement, sont excellents. Je dis en blague tantôt, j'ai bien essayé de tous les sens de demander à plusieurs personnes de voir qu'est-ce qu'il en était. Puis les gens n'ont que de bons commentaires. Donc, on espère que c'est véridique, qu'ils ne mentent pas, que c'est vraiment vrai. Mais je pense qu'on a une belle équipe et on travaille très fort pour que ce soit comme ça. On essaie toujours de donner le meilleur. La MRC de Kamouraska consulte présentement sa population afin de connaître leurs besoins et leurs préoccupations en matière d'habitation. Le sondage à remplir d'ici le 17 mai permettra de nourrir la réflexion des élus municipaux en vue de créer une politique de l'habitation qui réponde adéquatement aux besoins des gens du Kamouraska. Au sport, 19 des 26 gymnastes du club Mani Gym se sont classés parmi les 8 premières places dans les 6 épreuves gymniques lors de la dernière sélection régionale le 6 avril dernier à Montmagny. Réunissant 150 athlètes des clubs de Chaudière-Appalaches, les 19 gymnastes ont réussi leur sélection au saut, au bar, à la poutre, au sol, au trampoline et au tumbling. En compagnie d'autres athlètes, elles représenteront la région au Challenge des régions qui se tiendra à Varennes, du 16 au 19 mai prochain. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de cematv.